je le signe. Bah oui, vous les gardes. Non, mais c'est bon. Prendre le maximum de temps. N'oublie pas qu'il y aura le classement général en jeu. Flavianès en ville, 5e victoire de la saison à 2017. Superbe! Alors qu'ensuite on sera avec les autres 12e sur le Paris Tour, ça mérite vos applaudissements. 2e, Arnaud Girard, juste après donc. Ce sera l'un des représentants de l'armée de terre. On attendra également donc pour ce qui est de la place d'honneur, puisque on avait cité à plusieurs reprises celui qui a été champion national, qui a été champion du monde. Le voilà à ceci près donc que ça revient très très fort de l'arrière. Les autres coureurs et notamment les autres représentants de la formation d'HPPTP au BR 93. Messieurs, c'est l'arrivée dès à présent aux abords de ce podium. On pense à Kevin Lecoeuf. Le voilà, Kevin Lecoeuf. Je crois savoir confirmation. Pas de problème avec celui qui est passé professionnel. On était également pour les autres arrivés aux abords de ce podium, que ce soit avec Romain Leroux, celui qui a été le champion d'Europe du scratch, qui avait excellé également sur le bousquet du côté de l'Andivision. D'autres arrivés également qui se dessinent. Je pense à Erwan Corbel, l'ancien champion de Bretagne, 3 fois vainqueur en Coupe de France, pour celui qui a été le 3e d'étape sur le Tour de Picardie. Les coureurs allemands dont c'est l'arrivée, ce sera le cas également avec les coureurs néerlandais. On avait salué également aux abords de ce podium l'un des représentants de la sélection des Hauts-de-France, puisque l'arrivée, ça concernait Pascal Leroux. Pascal Leroux donc qui précède le régional de cette organisation. Nicolas Garbet, pour celui qui a été 2 fois 2e cette année, qui a été le 2e sur le Grand Prix de Saint-Quentin, 2e d'étape également sur les boucles du Hover, qui habite à 2 km de la ligne d'arrivée. On le félicite au moment de franchir la ligne pour celui qui avait été champion de Picardie. Très heureux également de saluer les autres coureurs à l'image, notamment des représentants de la formation de Roubaix-Lille Métropole. C'était le cas notamment avec Lambert Sénave,
qui a été le lauréat sur le Grand Prix de Mélène, son coéquipier également. On se retrouve avec Daniel Vermeulen, qui a été souvent en place d'honneur cette année, troisième d'étape sur le Paris-Arras, pour celui qui a été le quatrième également sur le Grand Prix de Lillère. D'autres coureurs dont ce sera l'arrivée, et notamment l'un des grands animateurs, Morgan Niesky, à quatre fois champion du monde. Vous pouvez l'applaudir. Dès à présent, l'arrivée pour l'ensemble des coureurs aux abords de ce podium. On a à cœur de les saluer les uns les autres, quel que soit le classement, puisque c'était l'arrivée cette fois-ci pour d'autres représentants de la formation en poste. On se retrouve avec Jordan Levasseur, celui qui a été champion de France, champion d'Europe sur piste, qui avait remporté également le classement général sur Paris-Arras. Un autre représentant de l'armée de terre, dont ce sera l'arrivée dans un petit instant. On invitera également les coureurs ayant terminé à faire bien attention, puisque nous étions avec Stéphane Pouliès, le coureur du sud-ouest de la France, sous les couleurs de l'armée de terre, celui qui avait enlevé des étapes sur l'étoile de Bessèges, sur la route du sud, qui a été le vainqueur d'étape également sur le...